Bonjour. Bon, nous avons profité de cette journée pour aller faire une petite tournée de quelques commissariats. Nous avons été à Savigny, nous avons été à Sismos pour voir comment les policiers travaillent, dans quelles conditions. Vous savez que nous attachons une importance toute particulière dans notre projet présidentiel à réarmer la police, pas seulement d'ailleurs sur le plan matériel, mais également en effectif, et j'ai envie de dire moralement. Ça passe par une augmentation prévue dans le projet de 15 000 policiers et gendarmes supplémentaires, évidemment par un effort tout particulier fait sur le matériel, car bien souvent les policiers sont démunis en matériel, en voiture, ils sont obligés d'œuvrer avec du matériel obsolète. Cette situation ne peut pas durer. Nous avons visité deux beaux commissariats. Hélas, il y a un certain nombre d'endroits en France, y compris d'ailleurs dans Paris, où les commissariats sont véritablement lépreux, ce qui est inadmissible. Nous considérons que les policiers ont le droit d'exercer leur mission dans des lieux qui soient dignes. Or, bien souvent, ils sont dans des lieux dans lesquels n'accepteraient pas de travailler n'importe quel salarié du privé. Et je parle encore moins des journalistes qui probablement réclameraient, et à juste titre, d'avoir des conditions de travail normales. Deuxièmement, il y a évidemment la nécessité, face à des quartiers qui sont des quartiers où l'on sait que les trafics d'armes, les trafics de stupéfiants sont hélas le commun des policiers, à mettre en place un grand plan de désarmement des banlieues. Ce désarmement, il a longtemps été promis, il n'a jamais véritablement été effectué. Or, il s'agit là de la sécurité, bien entendu, des services de police qui est en jeu. Enfin, il nous apparaît que les policiers doivent recevoir des instructions, car bien souvent, ça n'est pas tant un problème exclusivement d'effectifs ou un problème exclusivement de matériel, mais il y a un véritable problème d'instruction. On a le sentiment que dans l'esprit de nos dirigeants politiques, la police est un élément de perturbation à qui on demande, fait des pressions, même amicales, en leur expliquant qu'il y a certains endroits dans lesquels il serait bon qu'ils n'aillent pas, qu'ils ne se montrent pas, au risque de déclencher je ne sais quelle émeute ou perturbation. Cette situation, bien entendu, ne peut pas durer. Ces zones de non-droit existent depuis maintenant de très nombreuses années. Aucun gouvernement n'a réussi à y mettre fin. Nous entendons le faire, parce que nous considérons qu'il n'y a pas un endroit en France où la police ne doit pas pouvoir entrer et circuler en toute sécurité. Évidemment, nous avons évoqué avec le commissariat de Savigny le drame épouvantable qui avait eu lieu il y a quelques mois maintenant, avec ces deux policiers, ces deux adjoints de sécurité qui avaient été fait l'objet d'une attaque en règle et qui avaient été grièvement blessés dans leur voiture. Je pense que chacun s'en souvient, puisqu'ils étaient basés en réalité au commissariat de Savigny. Ceci évidemment a créé les conditions d'une vive inquiétude de la part de la police, qui est maintenant quasiment quotidiennement victime de traquenards et d'agressions directes au travers des policiers. C'est évidemment l'État français qui est agressé, et c'est la raison pour laquelle depuis déjà de nombreuses années, c'est une discussion aujourd'hui à l'Assemblée nationale, en tout cas en partie en discussion, nous plaidons, vous le savez, pour la mettre en œuvre la présomption de légitime défense des policiers. Ce n'est pas exactement d'ailleurs la proposition de loi qui a été faite, puisque là il s'agit calquer le statut des policiers dans ce domaine sur celui des gendarmes. Nous allons plus loin que cela, parce que nous pensons que, encore une fois, ça participe de ce réarmement moral. Il faudra, au-delà de cette présomption de légitime défense, faire en sorte aussi que la hiérarchie policière soutienne les policiers. Ils se sentent, semble-t-il, très
très souvent abandonnés, lâchés par leur hiérarchie et systématiquement suspectés au point qu'ils n'osent plus faire ce pourquoi pourtant on les paye et on leur fait confiance. Je ne vois pas comment on peut faire autrement dans un pays qui est attaché à l'état de droit que d'attendre que la justice se prononce. Un jeune homme a été blessé assez gravement. Par conséquent, si les policiers ont mal agi dans cette affaire, s'ils ont commis un délit ou un crime, ils seront condamnés par la justice. Et parce qu'ils sont policiers, bien entendu, la peine doit être à la hauteur de la confiance qui est faite aux policiers. Ce que je trouve inadmissible, c'est de clouer au pilori des policiers avant même que l'enquête ait débuté. Car en réalité, avant même que l'enquête ait débuté, on a entendu ces policiers être accusés et presque condamnés. Voilà, je pense qu'on ne peut pas se réjouir du travail de la police quand ceux-ci arrêtent des terroristes. On ne peut pas les encenser quand on se sent victime du terrorisme et quelques semaines plus tard, oublier ce qu'ils font et les clouer au pilori quand il y a un événement tel que celui-là. Je pense qu'il faut que la justice fasse sereinement son travail et qu'effectivement, s'ils se sont rendus coupables d'une faute, qu'ils soient sanctionnés à la hauteur de la faute qui a été commise. Oh, j'ai expliqué que si demain les services de sécurité français indiquaient qu'ils avaient des renseignements sur une attaque terroriste imminente visant les ressortissants d'un pays déterminé, oui, pendant un temps court, on pourrait faire en sorte que ces renseignements servent à quelque chose et que les ressortissants de ce pays puissent éventuellement ne pas accéder au pays. Mais enfin, tout ça est tout à fait naturel, légitime et normal. Je vous rappelle que, puisque j'ai le sentiment que la presse dans son intégralité a une forme de passion pour Obama, c'est exactement ce qu'Obama avait mis en place concernant l'Irak. Voilà. Il faut que ce soit évidemment ponctuel, il faut que ce soit appuyé sur des renseignements qui soient des renseignements en même temps précis et sérieux. Ça ne peut pas, et je l'ai déjà dit, être imposé, être rétroactif, parce que moi je crois que dans un état de droit, il n'y a pas de rétroactivité. Là, c'est peut-être l'avocat qui parle avant tout, mais je pense que c'est important dans un état de droit d'indiquer qu'il ne peut pas y avoir en la matière de rétroactivité. Mais j'ai rappelé que ça n'était pas dans mon projet. Mon projet n'est pas de faire une liste de pays dont les ressortissants seraient interdits d'entrer sur le territoire national. En revanche, de manière générale, je pense qu'il faut que les critères pour accepter la venue soient des critères qui soient renforcés. Je ne me sens pas l'obligation, comme présidente de la République, d'accepter que des multirécidivistes, par exemple, reçoivent un visa pour venir en France. Voilà. Je pense que nous avons le droit de protéger la population française de gens dont le profil semble constituer un danger, une forme de principe de précaution. Je l'ai dit ce matin, je n'arrive pas à comprendre la logique de la démarche de François Fillon. Voilà, il vient demander pardon pour quelque chose dont parallèlement il nous explique que c'est légal et que ça ne pose absolument aucune difficulté. Il conteste le tribunal médiatique, ce en quoi je pourrais être assez d'accord avec lui, mais en même temps il vient devant ce tribunal médiatique pour s'expliquer. Enfin, tout ça n'a pas beaucoup de sens en l'occurrence, et donc j'ai l'impression que la communication a pris le pas sur le fond de ce dossier, et que cette communication semble être erratique. Et moi, je conteste formellement cette décision du Parlement européen, et je suis jugé par la partie adverse. Alors ça pose un problème dans un état de droit. C'est la justice qui doit décider quand il y a un désaccord entre A et B. C'est la justice qui décide si c'est A ou si c'est B qui a raison. Mais B ne peut pas juger A, vous voyez. Bon, or, en l'occurrence, j'ai saisi la justice et le Parlement européen a appliqué sa décision avec l'exécution provisoire, ce que je trouve tout à fait absolument scandaleux. Nonobstant le fait que le Parlement européen inverse la charge de la preuve,
quand le Parlement européen considère que les règles ont été violées, il doit en apporter la preuve. Ça n'est pas à celui qui est accusé d'apporter la preuve de son innocence. Enfin, il ne me semble pas que dans les règles de notre état de droit, ce soit comme cela que ça fonctionne. C'est si grave d'ailleurs qu'il me demande d'apporter une preuve qu'il détienne. Je ne sais pas trop comment faire en fait. Parce que pour prouver notamment que mon assistante est à Bruxelles, j'ai besoin d'avoir le listing des badges. Et je n'ai pas accès à ce listing des badges, c'est le Parlement européen qui a accès au listing des badges. Alors tout dans cette affaire, si vous voulez, est une très grave, je crois, violation et de l'état de droit, et des droits fondamentaux, et des droits de la défense. Je persiste bien entendu à vous dire que nous sommes tous d'ailleurs totalement innocents. Je crois que le caractère politique de cette attaque de la part du Parlement européen ne fait plus aucun doute, puisque vous avez noté que le UKIP est également l'objet de ce type de procédure. Alors moi je veux bien, mais... tous les assistants du Front National font l'objet de cette procédure, tous les assistants du UKIP font l'objet de cette procédure, comme par hasard, ce sont donc les mouvements eurosceptiques qui ont droit à ce traitement. Bon, il n'y a pas évidemment de hasard là-dedans, vous l'avez bien compris, il y a une utilisation politique de pouvoirs qui sont exorbitants du droit commun et que s'accorde le Parlement européen. Ah ben non seulement je les conteste, mais j'ai même déposé une plainte pénale contre M. Velleux, le secrétaire général du Parlement, et contre l'OLAF, car l'OLAF est censé être des enquêteurs indépendants. Et il s'avère que quand j'écris à l'OLAF, c'est le Parlement qui me répond. Ça pose quand même aussi là un gros problème de conflit d'intérêts. Et donc j'ai saisi la justice pour de cette violation, à mon avis, très lourde des droits de la défense. Droits de la défense d'autant plus importants que nous sommes des députés. Vous voyez, c'est-à-dire que nous sommes là pour, nous en tout cas, les députés Front National, nous sommes là pour combattre l'Union européenne. Et l'Union européenne se défend, mais se défend en violation de nos droits de parlementaires. Et même de nos droits de citoyens. Bien sûr, évidemment, bien entendu, dans cette mandature, mais également dans la mandature précédente. Mais d'ailleurs, ça a été démontré par Le Monde. C'est une vraie question de fond. Est-ce que les assistants parlementaires seraient donc la seule catégorie de Français qui n'auraient pas le droit d'avoir une activité politique? Évidemment que non. Vous savez bien que dans un mouvement politique, la règle, c'est le bénévolat. Et en réalité, l'exception, c'est le salariat. Donc vous trouverez au Modem, vous trouverez au Front de Gauche, vous trouverez à l'UMP, vous trouverez au Parti Socialiste des cas où des assistants parlementaires ont en même temps des responsabilités dans leur parti politique. Et je vais vous dire, je trouve ça tout à fait normal, parce que les assistants parlementaires ne sont pas des fonctionnaires de l'Union européenne. Les assistants parlementaires sont des militants politiques. Ils sont là pour faire de la politique avec leurs députés, sur les ordres de leurs députés. Et moi j'attends de voir ce qu'il enlève, parce qu'il me semble qu'il y a un recours contre ce renvoi. Bon. Moi j'aime pas beaucoup, je vous l'ai déjà dit, hein. Vous savez, moi je suis très cohérente et toujours assez... j'aime pas beaucoup toutes ces procédures qui interviennent quelques semaines avant des élections. Voilà, je les considère par principe toujours un peu suspectes de vouloir influencer le débat public. Bon. C'est vrai quand ça nous concerne, et ça nous concerne très souvent. Très souvent, nous on déclenche des enquêtes comme ça, 10 jours avant les départementales, 2 semaines avant les régionales, 3 mois avant les présidentielles. Mais je considère la même chose quand ce sont mes adversaires politiques. Vous voyez, c'est, ça s'appelle la cohérence. Non, je ne dis pas que je suis solidaire. Je dis que si la justice doit passer, pourquoi ces choses-là interviennent toujours quelques semaines avant l'élection présidentielle. Il me semble que l'affaire Big Magnon est une affaire ancienne qui a fait l'objet de très longs mois d'enquête. Et voilà, ou complètement avant ou après. Mais il y a quand même des calendriers que je trouve problématiques. Voilà. Je ne dis pas que c'est volontaire, obligatoirement. Je dis que c'est problématique. Et je ne dois pas être la seule à le penser, puisque le juge Van den Beek, semble-t-il, n'a pas souhaité signer cette ordonnance de renvoi. Peut-être que ce refus de signer n'est pas tant sur le fond que sur le calendrier, précisément.
Oui, non, mais ce terme ne pose aucun problème. Moi, encore une fois, les émeutes en toutes circonstances, systématiques, les policiers encerclés, attaqués, je crois qu'à Aulnay-sous-Bois, ils ont dû se dégager en tirant des coups de feu en l'air parce qu'ils étaient entourés de 200 de ces racailles en question. Bon, ça n'est pas admissible. Ça n'est pas admissible. La justice est saisie, la justice doit enquêter, la justice doit passer, quelle que soit l'affaire, mais il n'est pas question d'admettre que certains se croient permis de brûler, de casser et d'agresser les forces de l'ordre pour se faire justice eux-mêmes. Voilà, messieurs, merci beaucoup. Pardon ? Une question en anglais ? Et pourquoi il y a une question en anglais ? Vous parlez français très bien. C'est pas, il n'y a pas marqué Macron, là. Marqué Marine Le Pen. Tu fixes tout bien, là. Ouais. Oh, vous êtes encore. Oui, on est encore. Allez, Marine Le Pen, Marine, on est sauvé, merci Marine. Ah, parce que la dame, elle vient. Je sais pas si elle est partie voir les gardes à vue. Je suis parti, moi, dans ce commissariat de merde. Pourquoi ? Parce que l'ancien commissaire, corrompu, hein, qui a été éjecté d'ici là, il a fait embarquer moi. Pour rien. Quasi judiciaire vierge. Je vous le dis. En tout cas, elle a pas parlé, hein. Elle a pas parlé, Marine. Hein. Vous êtes venu pour rien. Demain, ça va être Fillon, pareil, un autre voleur. C'est la même. Ouais, elle a parlé. Et elle dit quoi ? Toujours la même chose. Toujours la même chose. Toujours la même chose. Eh, on n'est pas con, pote, hein, je te le dis. Hein. Ouais, bac plus 5, je te le dis, j'en ai là-dedans, t'inquiète pas, tu peux retourner chez toi, mon gars. La ville ne fait pas le moins,